Salut tout le monde, dans une nouvelle leçon, des leçons d'apprendre la langue française. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'orthographe intitulée Les homonymes grammaticaux a, on, son, et, ce, la, ou. Tout d'abord, on va connaître ce qu'on appelle les homonymes grammaticaux. Les homonymes grammaticaux sont des mots qui se prononcent de la même façon et que la connaissance des règles de la grammaire permet de différencier. Souvent, ils n'appartiennent pas à la même classe grammaticale. Exemple, il voulait se trouver près d'elle, près de est une préposition. L'exemple de, elle était prête à partir, prêt, ça veut dire sur le loin de. Donc ça, ce qu'on va voir dans cette leçon, j'observe et je découvre. A, la mer est bleue et calme. Il a marché 5 km pour arriver à la gare. Ils ont gagné, on les applaudit. Son costume est beau, mais ses chaussures sont usées. Je vais partir à Agadir ou à Marrakech. Voici la maison où je suis né. Il entre à la librairie et s'assoit là. Ce tableau se fixe bien sur la mer, bien au mur. On recommence la phrase A. La mer est bleue. Al-Bahar Azraq est calme. Hadi. Il a marché 5 km. Qamabi Meshi, Massafat 5 km. Pour arriver à la gare, ils ont gagné, on les applaudit, son costume est beau, le costume de Jamil, mais ses chaussures sont usées. Eux, je vais partir à Agadir ou à Marrakech. Voici la maison, هذا هو المنزل, où je suis né, الذي ولدت فيه. Il entre à la librairie, دخل إلى المكتبة, et s'assoit là, وجلس هنا. Ce tableau, هذه اللوحة, se fixe, ملتصقة, bien جيدا, au mur, على الحائط. Je manipule et je réfléchis. Comment se prononcent les deux mots en couleur de chaque phrase? كيف تنطقوا الكلمات الموجودة باللون الأزرق أو الملونة في كل كلمة؟ Donc, إلا شنا إي تنطقوا بنفس الطريقة. Elles se prononcent de la même façon. Les deux mots en couleur se prononcent de la même façon. Est-ce qu'ils s'écrivent de la même manière? هل كتبت بنفس الطريقة؟ Non. Ils sont écrites de manière différente. Kutibat bitariqa mukhtalifa. Essaye de préciser la nature de chaque mot. Hawil an tuhaddida tabi'at kulla kalima. Donc, on va commencer kalima par kalima. Donc, na a ma a. Et c'est le verbe être. Et ici, c'est une conjonction de coordination. Il a marché, c'est le verbe avoir. On a ici A, c'est une préposition. On, c'est le verbe avoir. Et « on », c'est un pronom personnel indéfini. « Son », c'est l'adjectif possessif.
Ici, sans, c'est l'auxiliaire ou bien le verbe être. Ou, c'est pour le choix, bimana, ou, conjonction de coordination. Ici, ou, c'est un adverbe. Là, c'est un déterminant. Bimana, là, bimana, huna, c'est un adverbe. C'est un adjectif démonstratif. Ism ishara, hada. Ce, là, c'est un pronom. Donc, je retiens, khulasa, et on a dit que c'est et le verbe être. C'est le verbe être. Je suis, tu es, elle est, nous sommes. Par exemple, on dit, elle est gentille. Elle est un élève. Pour est, l'autre est, c'est une conjonction de coordination. Adawat, par exemple, on peut dire j'ai mangé une pomme et une banane. On, c'est le verbe avoir. Par exemple, on peut dire ils ont un ballon. On, c'est un pronom personnel indéfini. Par exemple, on dit on mange. Son, c'est un adjectif possessif. Par exemple, son cartable, mihfadatuhu. Son, c'est le verbe être. Ils sont des garçons, innahum al-awlad. Ils sont des filles, innahum al-banat. Ils sont à la maison, innahum yujaduna bi al-manzil. Ce, c'est un adjectif démonstratif. Ce garçon, hada al-walad, ce ballon, hadihi al-kura. Ce, c'est un pronom personnel. Ce, par exemple, et se lave. Yastahimmu. Ou ce, qu'on s'appelle le verbe pronominal. A, c'est le verbe avoir. Par exemple, on a dit, il a un cartable. Indahu mihfada. A, avec accent. Donc, c'est un mot invariable. Ou. Par exemple, on dit par exemple, Ahmed va à l'école. Ahmed dahaba à la maison, à l'école. Dahaba il a le madra, ça. Là, c'est un déterminant qui compte toujours devant un nom féminin singulier. Là, qu'on s'appelle le qaddam ism mufrad mu'annath. Là, avec accent, c'est un adverbe de lieu. Bimana huna. Par exemple, Ahmed est là. Bimana Ahmed huna. Ou est une conjonction de coordination. Bimana ou. Tu veux boire le thé ou le lait? Hal tashrabu ou hal turidu shurba shay ou amil halib ou le halib. Ou est un verbe de lieu ou un pronom relatif. Ou c'est un adverbe de lieu. Par exemple, on pose la question où vas-tu? Aina tadhabu. Donc, les mots comme on et on. Ce sont les homonymes grammaticaux. Donc, les mots, les homonymes grammaticaux. Ils se prononcent de la même façon, mais ils ont de différentes écritures. Ou la classe grammaticale. Le verbe, c'est un pronom. Donc, je m'entraîne dans ton cahier. Complète les phrases avec les homonymes corrects. Elle est fatiguée et malade. Innahu fatigué chez Wahdaniyan et malade marid. Chaque matin, kul sabah, elle se lave avec ce savon. Fi kul sabah, yastahimu bihadha as-sabun. Ses yeux sont verts. Son teint est brune, ses yeux verts, la teinte la basra brune, bonnia. Ils ont du courage, la deuxième shaja, on les admire, yujibunahum. Donc, pour je m'évalue, recoupe, puis complète cette grille avec les homonymes grammaticaux.
Maintenant, arrêtez la vidéo et faites les exercices dans vos cahiers. Après, vous allez trouver la correction. إذا قم بإيقاف الشريط حتى تنجز التمارين، بعد ذلك ستقوم بإعادة تشغيل الشريط لكي تجد التصحيح. Donc maintenant on va faire la correction. La phrase A. Il est fatigué et malade. Chaque matin, il se lave avec ce savon. Ses yeux sont verts, son teinte est brune. Ils ont du courage, on les admire. Donc c'est ça la correction pour l'exercice, le premier exercice. Donc ça. للتمرين الأول. Donc ici c'est la correction de l'exercice numéro 2, je m'évalue. On a A, on, ou, son, et, ce, là, là. Notre leçon touche à sa fin. Merci bien de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir de nouvelles leçons. درسنا أشرف على نهايته. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم دروس جديدة. Au revoir. إلى اللقاء.